Eh bien bonjour, comment allez-vous? Je suis ravi de vous retrouver pour la rubrique Même pas peur consacrée au jeu Layers of Fear 2. On vient donc, si vous vous souvenez, sortir d'un labyrinthe. On était poursuivi par une espèce de squelette géant qui nous envoyait un rayon laser par son œil ou des flammes, du feu. On est arrivé donc à la fin de ce labyrinthe à cette fleur. Et apparemment, c'est la sœur qui parle au père. On apprend, je pense, entre les lignes que la mère est décédée. Et que c'était l'anniversaire du petit garçon, et que le papa apparemment n'a pas acheté de cadeau à l'anniversaire pour le petit garçon. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Je ne sais pas, très sincèrement. Allez, on continue, nous, notre histoire. Toujours dans l'acte 3. Quoi, c'est une grenouille là-bas? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Pas beau lui, hein? C'est vraiment étrange, hein? Je me doute que tu n'en peux plus. Come on. Qu'est-ce que c'est? There's nothing left for us here. Qu'est-ce que hurts. Comment on peut t'aider, camarade? No, Mr. Hardy. It's only just beginning. Ah, on revient encore là. Salle de projection. Spirits, un nouveau tableau. As in a dream, are all bound up. My father's loss, the weakness. Which I feel. D'accord. D'ailleurs, on est reparti pour un tour, hein. Et donc ici. Breathe. C'est une bobine de film avec des rats sur la face avant. Un numéro 4, on dirait. Évidemment. Et là, on est encore ailleurs. On est encore ailleurs, on est où? Une malle, une fenêtre. Où est-ce qu'on est là? On revient dans notre cabine, parce que la végétation a pris ses droits. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que qu'il y a eu un pas mal de temps de passé là? Pardon. Pour être franc, je n'aime pas ce que j'entends. On m'a dit que tu n'avais pas pointé ton nez sur le tournage et que le réalisateur était furieux. Je ne pense pas qu'il apprécie ta conception du personnage. Bah, d'une façon ou d'une autre, tu seras
tout sera vite terminé, ton ami et agent. D'accord. Va au bout de ton cœur, saigne. Et ben, donc là on est toujours, ouais, d'ailleurs. Petit. On commence à avoir des indices, peut-être. Ça, c'est peut-être des indices sur l'histoire. Hein. Donc, quoi ça? La sœur et le frère. Le père, peut-être. Et le feu, non? Là, il y a le feu sur le bateau. Eh ben écoute, on va peut-être avoir d'autres indices, d'autres layers. Tell me, James, do you like sitting here in the park? I don't know. You don't know? I think I do. Out here, I could be anyone. Truly? You can be anyone you want. I don't need to be. I can play anyone I want. Ok, petit enregistrement d'un papa et son fils au parc. Ça, on les a peut-être déjà lus, je sais plus. We are now entering the eastern part of the borough. This particular area holds a special place in my heart as I grew up not far from here myself. A few things have changed, it seems, for better or worse. I see children playing in the streets, not a care in their little minds. If it wasn't for their shabby clothes, one could almost forget about the crushing poverty that plagues so many of the local families. But what do we have here? A boy, sitting on a park bench, alone. Perhaps he won't mind if we pick his brain a bit. Good morning, young man. What's your name? Good morning, young man. What's your... Morning. Man, your name. What's your name? James. Ok, donc là il rencontre un petit garçon qui est apparemment le petit garçon du début. Ok, donc il aura rencontré le petit garçon comme ça. Ce serait pas le père en fait. Eh ben dis donc. Il existe un monde en dehors du nôtre, caché derrière une voile de brume noire, où se terrent des êtres anciens, immortels, éternels. Ils sont parmi nous, invisibles à moins qu'ils ne veuillent l'être, à moins qu'ils ne te choisissent pour jouer comme tous les mortels à leur cruel simulacre. Pauvres pantins destinés à être manipulés et jetés lorsqu'ils n'amusent plus personne. N'écoute pas, n'entre pas dans leur jeu, le prix est beaucoup trop élevé. Prends garde toi qui as du talent, qui possède un don. Prends garde toi qui a vu leur vrai visage. Ne... T'attendent que la folie et la mort. Il arrive que quelque chose persiste, des objets à la forme terrifiante, au fonctionnement inexplicable. Crains-les tous autant, car ils sont la manifestation de leur présence maléfique. Bon. Je sais pas si on l'avait déjà lu, mais au moins ça fait un récapitulatif. Un coup. Il y a le bateau. Ok, il a encore une fois disparu, et là il y a quelque chose aussi, disons. Je sais pas ce que c'était, c'était étrange. Il n'y a rien d'autre? Non. Les quatre qu'on a récupéré, là il en manque un, on voit, et là-bas il en manque encore. Hein.
Et nous revoici ici avec une nouvelle bobine qu'on va pouvoir installer ici même et visionner. Allez, c'est parti. There shall be a vast shout, and then a vaster silence. L'acte 4. Bon, ben apparemment c'est le dernier acte. Eh bien écoutez, on va rester là. Il restera un acte. On se rapproche un peu à la fin de ce jeu. On est dans la dernière partie de ce jeu. Je vous propose de la continuer dans une autre vidéo. Merci d'avoir suivi la fin de cet acte 3. Le mystère reste entier. Une nouvelle bobine de fil. Une nouvelle aventure continue. À très bientôt les amis. Bye bye.